sur ce joli petit film d'horreur d'intro. J'espère que vous allez bien et moi je vais écouter très très bien. On continue le 100 baby challenge avec Julien qui fait dodo. Un petit récap, la maman qui est enceinte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle se promène en habit d'hôpital. Hein. Je crois qu'elle aime bien s'habituer peut-être, je sais pas trop. On va lui demander de se reposer. Voilà, parfait. Et de faire reproduire les grenouilles. Alors, ouf, 30. Ah, ça doit être une grenouille qu'on a chopée de dehors. Parce que je suis en train de me dire, on n'a pas pu faire reproduire une grenouille comme ça. Mais en fait, je pense que c'était une grenouille déjà d'avant. Hop, ici, on vend tout. Ah, on a bientôt assez d'argent pour acheter le lit qu'on voulait. Voilà, hop. Les projets scolaires des enfants, c'est fait. Et en fait, il ne nous manque plus qu'à faire leurs devoirs. Donc là, maintenant, qu'ils soient à peu près bien, on va lui demander, hop, toilette, devoirs. Franchement, on met toutes les chances de notre côté pour enfin réussir à faire qu'ils aient une bonne note, un bon petit à l'école. Toi, pareil, hein, va aux toilettes à côté. Va prendre une douche. Et fais tes devoirs. Bah ouais, parce que on va profiter pour sauvegarder hein, quand même. Hein. On sait jamais. Hein. Je veux pas encore perdre ma sauvegarde. Je serais très très embêtée. Mais oui, je pense que là, franchement, il y a moyen que la dise un A. Parce que franchement, avec le projet scolaire, leur devoir de fait, si on arrive en plus de ça à faire les devoirs supplémentaires, on va pouvoir les envoyer pêcher ensuite. Comme ça, ils auront un samedi de pêche, un dimanche de pêche. On aura assez d'argent, je pense, pour un peu améliorer quand même bien la maison. On a déjà 8000 simflouz. Petit rappel, il nous faut 8500 simflouz pour prendre le lit qu'on voulait prendre pour la maman. Non, franchement, elle est bien, la maman, elle va se reposer pendant qu'elle peut. Alors, attendez, parce qu'elle, elle a fini. Prendre une douche. Est-ce qu'elle peut faire du devoir supplémentaire? Faire ses devoirs? Encore? Mais elle a pas déjà fait ses devoirs? Je comprends pas. Attends, nourrir au biberon, tiens. Pendant qu'il peut, de temps en temps, le nourrir. Au biberon, hein. C'est bon, allaiter, c'est bien, mais bon. Ah oui, parce qu'elle avait presque fini ses devoirs, mais elle les avait pas à travers supplémentaire. D'abord, manger. Pourquoi elle est pas à l'aise? Attendez. Elle est pas à l'aise parce que... Parce que quoi? Parce que affreuse douche. De mauvaise qualité. Lol. Ah bah dis donc. Ah, est-ce qu'ils peuvent manger et parler en même temps? Alors, raconter une histoire délicieuse. Non, pas féliciter parce qu'elle doit se lever pour féliciter. Se renseigner sur comment faire crac-crac. Conversation profonde. Se plaindre de ses parents. Elle est pas là, elle est en train de dormir, la maman, on peut se le permettre. Ou quand elle rigole, c'est pire que moi. Elle a un rire démoniaque. Bébé en train de pleurer. Va falloir peut-être s'en occuper aussi. Hein. Changer la couche sale. Ça va, t'as bien dormi. T'es full bar. Elle est enjôleuse. Hein. Le bébé est plus de la couche, mais elle est enjôleuse. Hein. Allez, va dormir. Et toi, va regarder la télé. Allez, elle est bien. Allez, tranquille, ça va. Tout va bien. Oh, bébé, il recommence à pleurer. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? T'as été nourrie il n'y a pas longtemps, hein. Exagère pas non plus. Hein. Oh,
percer. Non, va prendre une douche. Et quant à lui, qu'est-ce qu'il veut faire lui? Lui, go dodo, et après on fera les travaux supplémentaires, ils pourront aller pêcher. Et elle, elle va nous rapporter de l'argent quand même, hein. Bon. Est-ce que les pierres ont rip-up à côté? Pas encore. On va l'envoyer de l'autre côté. Ici, il y a souvent quand même pas mal de pierres. Je dis ça, il va y en avoir zéro, genre. Genre comme par hasard où je dis qu'il y a beaucoup de pierres, bah il n'y en aura pas. Sinon, c'est trop easy. Voilà, on va déjà t'occuper de ça. Ok, le bébé est content. Tout va bien dans sa vie. Festival de l'amour. À la limite qu'on l'envoie, c'est... Elle, elle pourrait faire un... Comment on appelle ça un... Pas un débat, mais... Une convention, pas une convention. Je sais plus comment ça s'appelle ça, genre débattre devant tout le monde, dire comment ça marche. Parce que franchement, elle s'y connaît bien au niveau de l'amour. Hein. Un peu trop même, je dirais. À force, on commence à avoir l'habitude de trouver des choses. On sait ce qu'on va avoir dans le sol. Mais... Ah, faut que je regarde aussi. Attendez, parce que le bébé est pas content. Il veut changer sa couche. Alors, qui va se dévouer? Tiens, toi, parce que c'est toujours ton frère qui s'en occupe. Il faut que tu l'aides un petit peu, changer la couche. Voilà, changer la couche, va aux toilettes et va faire des devoirs supplémentaires. Franchement, là, je peux pas faire grand-chose de plus. On a fait des projets scolaires, on a fait les devoirs, on a fait les... Ah bah attends, avant de faire les devoirs, tu vas encore lui le nourrir au biberon. J'ai l'impression que ça ne va pas. Il doit avoir faim. Toi pareil, tu te réveilles et tu vas faire les devoirs supplémentaires. Et quant à toi, t'as fini. Ici. Et puis tiens, elle aura fini de faire le tour. On va juste aller creuser là. Et puis après, on va la faire rentrer. Elle a chopé une grenouille. Une grenouille d'une valeur de 100. Ouais, c'est pas mal. Hein, surtout au début. Mais là, ça va, on a des grenouilles qui valent 160 simflouzes. C'est encore mieux. C'est pas ouf, hein. J'ai l'impression d'avoir pas gagné beaucoup d'argent pour le temps qu'elle a mis à faire ton tour. Déposer un morceau. On va mettre le lutin qui lutine. Espérant que le lutin qui lutine nous rapportera beaucoup d'argent. Ça, c'est pas trop. Voilà, on va dire le piano est pas assez rentable. Comparé à d'autres métiers, franchement, on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en faisant, je sais pas moi, des livres et ce genre de choses. En espérant que sur le temps, ça nous fera gagner plus d'argent quand même. Hein. On espère. Bon, à la fin, bon, d'abord pipi room, hein, puisqu'elle a toujours envie d'aller au pipi room. On dirait se servir carrément le dîner. Tiens, des spaghettis. On n'a jamais fait des spaghettis. Elle a envie de lire un livre. Bon, c'est bien, écoute. Je préfère que tu lises un livre que tu regardes la télé. Hein. Tu sais, les parents un peu relous. Mais ouais, va lire un livre au lieu de regarder la télé. Je veux vraiment me devenir ami avec quelqu'un, mais il ne semble pas vouloir être mon ami. Comment puis-je le convaincre? Ah, c'est pas l'ami que tu as la dernière fois, rappelle-toi. T'as pas voulu l'aider pour le devoir? Bah, tu m'étonnes que t'as plus d'amis après. Continue à avoir un comportement amical, fait un geste amical incroyable. Tu n'es pas obligé, tu ne peux pas obliger quelqu'un à être ton ami. Ouais, on va mettre ça. Voilà. Quelqu'un a pas envie d'être ton ami, laisse-le ne pas être ton ami. Puis c'est tout. Ah, toi, faut que t'ailles là. Et est-ce que tu peux nettoyer? Ouais, tu vas aider un petit peu ta maman comme ça. Yes. En train de faire le ménage. Ah, ils sont en train de discuter, c'est parfait.
et ça, hop, ici. Voilà, vous allez discuter tous ensemble, c'est parfait, c'est mignon, tout le monde est content. Acheter un instrument, non, pas pour le moment, non. C'est vrai que, elle, j'ai tendance à oublier, mais il faut quand même que je fasse ces petits, envoyer un SMS de bonheur, par exemple. Donc là, on va envoyer un SMS de bonheur à, je sais pas moi, tiens, à Julien, envoyer un SMS de bonheur. Ça, c'est quoi? Acheter un jouet? Non. Améliorer sa compétence de piano, ce serait pas mal. Manger un isien? Non. Bah tiens, finis ta composition. Voilà. Alors, toi t'es bien, tu vas aller pêcher. Lol. Allez, exploitation d'enfants, c'est parti. Toi pareil. Tu vas aller pêcher. Avec un petit air mélancolique. Voilà, et on reste du coup sur la maman. Yes! Réussite! C'est bon. Parfait. Compétence au niveau max. Écoutez cet air mélancolique. En regardant ce bébé pleurer. Tu es affreuse, Quinzel. Pourquoi tu fais ça? Va changer sa couche sale. Voilà, la couche sale a été changée. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Devenir inspirée. Ok. Pianoter pour trouver l'inspiration. Voilà, elle est devenue inspirée, après elle va se coucher. Oh! Allez, réveille-toi. Et on fait un peu d'exploitation d'adolescents qui font de la pêche. Non, c'est envie. Non, non. Bon, ça va, t'as pas très envie d'aller dormir encore. On va pêcher. Ah, elle est en train de manger. Elle s'est fait un repas toute seule. Normal. Et elle... Alors, composer 4 morceaux. On est à un seul sur les 4. Ah bah, fou. On a le temps, on est à 1500 points. Seulement, oui, seulement. Ça va être dur quand même. Hein. Ça va être dur. Mais on est à 9000 simflouz. Et faut pas give up, hein, juste parce que les poissons... Bah attends, tu as qu'à aller pêcher là-haut. Hein. Si les poissons sont trop gros pour toi ici. Niveau 2 de la compétence pêche. Mais pareil pour elle, les poissons sont un peu trop gros pour toi. Bah écoute, à la limite, rentre à la maison. Va aux toilettes et va dormir. Voilà. Tout simplement. Et toi, pareil, tu peux rentrer pour dormir. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont pêché? Oula, c'est pas très rentable la pêche aujourd'hui. Hein. Ah ouais, mais genre pas du tout rentable en vrai. C'est pas très rentabilisé là. Ça va pas. Et reproduire les grenouilles. Et le bébé qui pleure, on adore. Tu vas réveiller elle, on va laisser l'autre pianoter. Ah! Donnez un titre à votre nouveau morceau. Donc c'est un morceau sur un air fantaisiste. Est-ce qu'on peut trouver? Fée de Féélandia. Ouais, c'est totalement pourri. Bah bon.
Nourrir au biberon, apaiser, babiller et dodo. Et quant à toi, bah tu peux... Non, faire pipi comme une championne. Manger encore, manger. Ouais, je sais, hein, mais quand même. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Envie de regarder une série télévisée, lier une amitié. Bah écoute, tu regarderas une télé... Oh. Regarder une série télévisée, bah regarder, je sais pas moi, la chaîne romance, tiens. Regarder la télévision communautaire, ok, on va changer de chaîne. Regarder la chaîne de télévision communautaire. Oh! Va changer la couche à ton fils. Allez. 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 Voilà, c'est bien. Bon, tant qu'à faire, hein. Berce-le pour qu'il s'endort. On n'a pas d'ordinateur. Chercher des informations, mais on n'a pas d'ordi. Ta fille est en train de dormir. Ça, c'est quoi? Laisser un mot? Non. On n'a pas d'ordinateur, encore une fois. Non, ça va pas. Ah, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse à jouer un concerto au piano. On va jouer un concerto. Voilà. Construire sur une table de jeu qui construit tout. Ouais, non, on n'a pas de table. C'est un dessin pour quelqu'un? Non. Primer? Non. Acheter un instrument? Voilà, limite, on achètera un instrument. Pas trop cher, par contre, hein, l'instrument. Alors, quel instrument va-t-on acheter? C'est la question. Oh, j'aurais dû acheter le lit, tiens. Tiens, on va lui acheter le lit. La pauvre, elle est en train de rentrer dans son lit, mais son lit va disparaître. Le manque de respect total qu'on va lui mettre. Alors, comme lit, on descend tout en bas. Donc, c'était celui-ci, 10, 10, 10. Mais après, il y a celui-là qui est sympa. Si on regarde, franchement... des couleurs. Quelle couleur de chambre on pourrait lui mettre? Rose. Non, celle-là, ça va. Hein. Parce que franchement, soit on prend celui-là et on sacrifie un petit point partout. Soit on prend celui-là, après on va voir au niveau des couleurs ce que ça donne. Parce que celui-là est sympa, mais les couleurs, j'aime pas trop, quoi. Ouais, en violet. En violet, ça me plaît bien. En jaune aussi. En blanc. Je pense qu'on va le mettre en violet. Mais on va prendre celui-là en violet, finalement. Du coup, si là, on va le vendre. La pauvre, elle est en mode... What? Il est passé où, mon lit? On va lui faire une chambre violette. Ça me changera du rose. Tu vois, là, t'as un meilleur lit, hein. Et là, c'est quoi? Non! Ah, voilà, ça augmente beaucoup plus vite, hein. Ça augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'elle a envie? Déposer un morceau? Bah ça on garde, ouais, mais seulement, ce sera seulement pour la semaine prochaine, quoi. Tester des techniques de drague devant le miroir. Ouais, on va faire ça. Ça, c'est bien, ça. Et, toi, tu te réveilles, tu vas manger des restes. Toi, tu te réveilles, tu vas aux toilettes. Tu vas prendre un bain et tu vas, pareil, prendre des restes. Et toi, ensuite, tu iras pêcher. Je ne give up pas. Tu continueras la pêche jusqu'à que tu me récoltes des choses intéressantes et de l'argent. Et quand toi... En fait, elle va accoucher quand? Elle, on est troisième trimestre. Accouchement dans... Ah, elle peut accoucher à n'importe quel moment. qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Raconter une blague salace à quelqu'un. À qui elle pourrait raconter des blagues salaces? Tiens, à toi, là. Bonjour. Présentation amicale. Tu pourrais t'habiller pour sortir? Non? D'accord, non. Non, pas grossière. Fais pas de blagues grossières. Attends. À lui, elle peut lui raconter des blagues salaces. Présentation dragueuse. Quoi, présentation?
Ah, mais c'est Marcus Flex. J'ai cru que c'était Brent, moi. Mais c'est pas lui du tout, en fait. Bah attends, présentation dragueuse. Bah va te présenter. Mince, bah, attendez, attendez. Je suis allée trop vite. Ça a fonctionné. Une femme enceinte en sous-vêtements dehors, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'on peut lui faire une blague salace? Non. Faut peut-être aller dans drôle. Raconter une blague salace, oui, c'est ça. Ah, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'elle veut faire ensuite? Faire crac-crac avec quelqu'un? Est-ce que tu veux faire crac-crac avec moi? Non? Attends, on va essayer de voir si on peut rapidement faire crac-crac avec lui ou pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Bah il est sous le charme, il est sous le charme et il en faut un petit peu plus pour faire crac-crac. On va faire un premier baiser déjà. Ah, premier baiser. Le bébé il est en train de pleurer je crois par contre. Attends, est-ce qu'elle peut faire crac-crac avec? Faire crac-crac, non? Non? Où tu vas? Premier baiser? Attendez, parce que là, le bébé va pas bien. Je pense qu'il a faim. Il est tendu, pourquoi? Parce qu'en manque d'inspiration. C'est pas grave, ça. Ça arrive. Plus ça pense au lit. Bah tiens, va s'asseoir et discuter ici. Viens, viens, viens. Viens, allez, viens. Je te montre, je te fais une petite visite d'appartement. Et du coup, le bébé est nourri. On va l'envoyer, hop, ici. Pour aller pêcher avec sa sœur. Les enfants doivent se dire, mais qu'est-ce que fait ma mère dehors en sous-vêtements? Et pourquoi elle ramène à un étranger? Mais il va où? Mais non, tu vas où? Lotis barre. Non mais lol. Mais où est-ce que tu vas? Mais où est-ce que tu comptais aller comme ça? Mais est-ce que... Mais lol. Oh non, mais en plus elle sort en... Oh, il serait vraiment inconscient si... Allez, faire crac-crac. Mais non, je dois vraiment y aller, mais non. Calme-toi, Quinzel, calme-toi, c'est pas grave, ça arrive. Et des fois, il faut essuyer des échecs. Va aux toilettes, va changer la couche sale, va prendre des restes. J'ai un scoop. Et bah moi aussi, j'ai un scoop, je viens de me manger un râteau, hein. Enfin, pas vraiment, parce que finalement, il était censé venir, et je sais pas pourquoi, finalement, il est pas venu. Nettoyer. Et ensuite, dormir. Toi, tu t'endormiras tout seul. La maman, elle est pas contente. Oh mon dieu. Elle, il faut pareil, il faut qu'elle rentre. Aux toilettes. Et après, besoin de social. Et toi, on peut le laisser encore pêcher. Ah, bébé qui pleure. C'est pas grave. Oh non, t'as cassé la douche. Bon bah je crois qu'on va essayer d'investir dans une douche. On va pas la réparer. On demandera à la maman. Oh bah ça va, ils sont endormis. Non, mais laisse, c'est en train de... Oh, change la couche par contre. Vas-y, parle avec. Je crois que ça va lui augmenter social. Ok,
Le bébé, non. Ah si, ça augmente un tout petit peu, mais franchement, pour le peu que ça augmente. Bah, va pêcher, ça te détendra, lol. Et toi, va réparer la douche. Ah là là, casse tout, celle-là aussi, hein. Ouh, un petit poisson de 25$. C'est pas grand-chose, mais... Ok, le travail a commencé. Oh. Le travail a commencé. Bah écoutez, on va s'arrêter là, comme ça vous verrez au prochain épisode de quel bébé il s'agit. Hein, donc franchement, cette fois-ci en plus on va la faire accoucher à la maison. Pour en plus de ça pouvoir profiter du terrain qui est fertile, qui a la caractéristique de la fertilité. Elle, elle est fertile également, bon, on peut pas faire grand chose de plus, hein. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si on peut faire d'autres choses. Mais à part prendre une potion, mais la potion est interdite dans le sang baby chain, donc il n'y aura pas de potion. Eh bien, on va devoir se contenter du terrain et de la caractéristique, enfin, du terrain et de son trait qu'on a pris de la fertilité. Bon, ce qui est déjà pas mal, et en espérant avoir des triplés. Mais bon, on va bien s'amuser si on a des triplés, par contre, ça va être terrible. Eh bien écoutez, rendez-vous au prochain épisode comme d'habitude, tous les mercredis et vendredis à 17h30. Et moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, à bientôt.